J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai essayé à l'arrache de participer à l'édition 2024 de La France a un incroyable talent. Et attention, spoiler, la vidéo était juste... Bien. Pour vous expliquer le contexte, ça faisait un moment que je voulais participer, refaire du stand-up, oui, mais aussi pour promouvoir, faire de la pub pour ma chaîne YouTube. Bon. Quand j'ai annoncé à ma famille, mes amis et mes collègues que je participais aux auditions de La France a un incroyable talent, ils m'ont tous demandé sans exception « C'est quoi ton talent ?»« C'est quoi ton talent ?» Quand j'ai répondu que mon talent c'était l'humour, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Absolument toutes les personnes qui étaient au courant se sont foutues de ma gueule. Ah, j'ai l'envie de m'éclater contre un mur. Après ce drôle de moment, j'avais 15 jours pour créer une vidéo d'audition du mieux possible. J'ai pris ça trop à la légère et c'est qu'au dernier jour que je me suis dit « Ah bah faudrait peut-être se bouger en fait !» Soyez indulgents, la vidéo ça donne ça. Oh, bonjour. Je m'appelle Malcolm, j'ai 27 ans et je suis préparateur de commandes. Hier, ma femme m'a demandé d'étendre la lessive. Et je lui ai demandé où elle est. Elle m'a dit sur la machine. D'accord, ok. Pourquoi tu veux étendre la lessive en fait? J'avais pas compris. Et en fait, elle parlait vraiment de la lessive. Moi, je parlais d'étendre un bidon de lessive au final. J'avais pas compris. Sugar Sammy, un petit sucre? Quand j'ai dit à ma famille, à mes collègues de travail que je voulais participer à l'émission La France a un incroyable talent, que je voulais performer sur les planches de Paris, ils se sont tous foutus de ma gueule. Et je vois pas pourquoi. Est-ce que je suis aussi con qu'on le pense? Ça, c'est une bonne question. Oh, une baleine! Bon, hein. Bien évidemment, mon objectif, c'est l'humour, c'est de faire rire, c'est ce qui me passionne. Et le pire dans tout ça, c'est quand je veux faire rire, j'y arrive pas. Et quand je fais le con, indirectement, tout le monde se fout de ma gueule. C'est trop bizarre. C'est pas bon, ça. Bon, après 2 semaines d'attente, le résultat était sans appel, j'ai pas été auditionné. Et je sais, nous savons pourquoi. Vidéo trop courte. Pas assez rentre dedans, vidéo bâclée, c'était pas assez construit, c'est pas assez détaillé, c'est nul. Bon, je pourrais continuer à me descendre comme ça encore longtemps, mais mon entourage, mes amis, mes collègues le font déjà si bien. Mais il manque que votre avis au final. Alors la question est simple, est-ce que selon vous, je peux aller à La France un incroyable talent? Pas cette année, malheureusement, mais l'année prochaine. Est-ce que, selon vous, je mérite d'y aller? Et là, j'en vois déjà quelques-uns venir. Non, t'as dit, tu vas pas. Non. Bien évidemment, j'ai essayé. C'était un essai. Je me rends compte que j'aurais dû travailler plus le sketch. J'aurais dû faire ça sur plusieurs semaines. J'aurais dû bosser plus, en fait. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Pourquoi pas, donner votre avis en commentaire. C'est très important, ça donne de la force. Et ça fait plaisir. Je ne vais pas vous teaser ce qui arrive, mais regardez la playlist En voiture Simone, ça vous donnera quelques indices, vous n'allez pas être déçus. C'était Malcolm et je vous dis à très vite. Tu peux dire au revoir s'il te plaît?